Ouais, je vais être clair, je suis assez. Je vois les œufs. Ah, le maïs. Ah, le sarrasin. Ouais, mais j'ai les... Ah oui, mais moi je pensais que c'était que des céréales. Ah, le riz, c'est une céréale. Eh ben ouais, je viens d'en apprendre une. D'accord. Le petit épeautre, j'aime beaucoup. Voilà, là j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on peut l'associer avec vraiment des condiments, on peut l'associer avec des coquillages, on peut le manger nature, avec un peu d'agrumes. C'est vraiment intéressant. Une bouillie d'avoine. Et aujourd'hui, on fait une bouillie d'avoine très très légère. Mais on garde ce goût d'avoine très intéressant, très crémeux, un petit peu noisté quand il cuit. Donc voilà, ça, j'en suis très fier. Les céréales sont faciles à travailler à partir du moment où on prend le temps de le faire correctement. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut très bien le cuire à l'eau, on peut les cuire dans des fonds, on peut très bien les cuire en mouillement, on peut les étuver. Il faut vraiment prendre le temps de les travailler et de mettre de l'application. Et là, ça devient intéressant. Alors, un jour sans pain, c'est long. Pour moi qui aime bien manger, un jour sans pain, c'est long. C'est toujours pareil. Je pense qu'un produit, avant de le connaître, il faut d'abord connaître son histoire. Comment c'est cultivé ? Qui le cultive, comment c'est cultivé, à quelle saison on peut le manger. Et à partir de là, il y a des choses qui peuvent décliner.